Je suis Monsieur Masson et j'interviens dans la section Bac Pro Culture Marine. On a une polyvalence en fait au niveau des enseignements. Donc moi, les travaux pratiques, la biologie écologie et le permis bateau professionnel. On apprend plein de trucs, on apprend les cycles d'élevage des animaux, on améliore notre technicité sur le plan professionnel. Alors dans cette école, j'aime en fait au niveau de la formation le fait qu'on ait des groupes d'élèves qui sont à maximum 12 élèves, on a de bonnes conditions pour travailler, donc je prends beaucoup de plaisir dans ces conditions-là, avec un contenu de formation qui est très orienté sur le milieu marin et avec un permis bateau professionnel à la clé. Alors en fait, tout ce qui concerne les productions animales et végétales en milieu marin, donc l'ostréiculture, les élevages d'huîtres, les élevages de moules, les élevages de palourdes, les cultures de micro-algues et par exemple les élevages de poissons marins. Moi, c'est le fait de travailler en extérieur. Après, malgré le fait qu'il y ait l'environnement, c'est un peu dur quand bah, par exemple il y a du vent, des intempéries, mais moi, c'est le travail extérieur, moi j'adore. Moi, j'aimerais travailler dans cette filière, surtout en ostréiculture. On a en fait la chance d'avoir une station marine à but pédagogique où les élèves apprennent en fait les différentes techniques professionnelles sur un site d'exception. Le lycée il propose des stages Erasmus, donc j'en ai bénéficié d'un. J'ai été au Portugal dans une entreprise ostréicole qui s'appelle Neptune Pearl pour le travail. Pourquoi pas reprendre contact avec l'entreprise et peut-être aller travailler au Portugal.